Bonjour, bonjour, ici Sir Bazem pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Golden Sun 2. La dernière fois, on avait réussi à récupérer une grande partie de notre équipe, car oui, nous avons enfin notre équipe complète avec les 8 unités, les 4 de Golden Sun 1 et les 4 de Golden Sun 2. La fin est proche. J'annonce un épisode, voire deux, avant la fin. Ça dépendra si j'accélère ou pas à certains endroits. On a bien évidemment l'équipe principale composée de Pavel, de Vlad, de Pierre et de Garrett, qui sont chacun... Pavel étant éleveur, Vlad étant templier, Pierre en mage noir et Garrett encore en templier. Pourquoi templier? Parce que ça permet de soigner et d'avoir une très grosse attaque. On a là l'équipe des 4 gros bourrins. Et après, on a les 4 autres qui sont pas trop mal et... J'ai mis les jeans qui restaient. J'ai refait totalement les équipements de tout le monde. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et on est parti pour se faire la quête de tout ce qui nous reste à récupérer. Et croyez-moi, il en reste. Let's go. Tout d'abord, rappelez-vous, on a la capacité de soulever les éléments. Alors par contre, il faut le retrouver, il est là. Oui, parce qu'on a maintenant toutes les synergies que l'on avait avec... Qu'est-ce que ça sert? Là, il y a un truc. On a toutes les synergies qu'on avait avant dans le premier Golden Sun. Ce qui fait que maintenant, on a une pléthore de bordel. Il faut les retrouver dans la vie. Alors là, je cherche, c'est ça, Cyclone. Parce que j'ai une plante verte à côté et que je veux la virer. Nice, bonjour toi. Et il vient avec nous. Oh, bah normal, on a tous les anciens Golden Sun, tous les anciens de Golden Sun 1. Du coup, on est revenu. Oui, Loki, tu prends de la place, c'est pas grave. On est revenu sur une team où les Jin nous aiment. Et ça, c'est qualitatif. La suite. Oh, avec le bâton, on peut aller sur la terre. Et ça, c'est qualitatif. Et justement, il y avait une petite grotte que j'avais repérée quand je faisais mon repérage, que je ne pouvais pas accéder autrement. Alors, let's go, c'est la grotte d'Ateka et on a apparemment une magnifique stèle. Chouette. Allons-y. Ah, il va y avoir une petite astuce. Et bien évidemment, l'astuce, c'était d'assécher le ravin. Nice. On peut aller sur le côté peut-être. Ouais, non, on peut monter, on peut descendre comme ça direct. Nice. Et on va récupérer un roulement de tambour. Coatlicus, à tes souhaits. Maintenant, je crois que j'avais laissé un petit jean de flotte à un endroit. Il aurait fallu que je soulève les rochers. Let's go. Voilà, rappelez-vous, il y avait un petit pépère ici à venir chercher. Alors, il va falloir donc que je soulève. Donc, voilà, ce qui me fera une petite passerelle, je pense. Hop. Je vais soulever aussi ça. Nice. Ça devrait aider. Voilà. Il est bloqué. Il peut plus bouger. Il va pas être content. Bon, au moins on pourra tester notre nouvelle attaque, nos nouvelles attaques. Alors on va pas pouvoir faire plume fatale dessus puisque Pépère il aime bien les attaques de type eau. Mais il n'y a pas de problème. Le démon c'est de type sol. Et puis les deux autres vont taper comme des gros bois. Ouais, après tout c'est les soigneurs à la base. Hein. Ça devrait être assez rapide. Allez, bourrin. On bourrine, on bourrine, on bourrine. Aïe, 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 aïe. Il nous met des petits dégâts, ça passe. Voilà, le jean de Mercure, il est fait. Next. Un peu de repos dans le village et on va refaire le tour dedans parce que en vrai on l'avait pas énormément exploré.
Et je pense même qu'il y a un endroit où on n'avait pas pu explorer étant donné qu'on ne pouvait pas flotter. Rappelez-vous, tout à la fin. On va vérifier. Là, regardez. On va pouvoir utiliser du coup la compétence. Alors, où est-ce que je l'ai foutu? Là. Flotter. Et voir ce qu'il y a de l'autre côté. La route du courage. On va pouvoir soulever. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'aurait pas pu revenir avant d'avoir récupéré l'équipe de Golden Sun 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Des petites bestioles. Toi, vas se tuer rapidement. Il n'y a pas de problème. Oh, il se prend quand même bien cher, là. Un beau bordel. Mon Dieu. Qu'est-ce donc? Une morte, assurément. Des coffres. De l'eau, potentiellement en vision. Oui. Et pour un élixir, ça j'en ai rien à faire par contre. Oh. Bonjour toi. Non, pas télépathie, voyons. Oh, bah... Baston. Voilà, ça, c'est fait. Ça a été assez rapide. Une attaque de chaque unité. Et c'est marre. Bon. Apuka. Next. Maintenant que je peux voler, eh ben j'ai trouvé des petits trucs sympas. Alors, voler, c'est un bien grand mot. Je ne peux que flotter là où on peut passer avec le bateau ou là où on peut marcher. Je ne peux même pas voler au-dessus des arbres. Donc, c'est un peu bizarre, mais en vrai, ça se prend en main. Et surtout, ben ça, je n'avais pas encore été la voir. Je l'avais entreaperçu à un moment. Vu la gueule des monstres, je suppute que je suis plus ou moins au bon endroit. Bref, on va visiter tout ça. Ah misère, j'ai l'impression que c'est un donjon. C'est un donjon, j'en suis quasiment certain. On va vérifier ça. Mais si c'est un donjon, ça va être long. Oh. Ah ouais. Ça sent le gros donjon à la... Au mont... Aux différents monts qu'on avait déjà fait. Allez. On se le fait dans 3, 2, 1, let's go. Bon, et on arrive à un petit moment assez amusant du jeu. Alors, il faut savoir que le donjon est assez long, même très très long. C'est du même acabit que, rappelez-vous, le donjon où est-ce qu'il y avait la poupée qui dansait, récupérait tout en haut du chemin. Et bien là, on est sur le même style. C'est déjà extrêmement long à l'extérieur et je sais que je vais avoir un donjon tout aussi long à l'intérieur. Mais là, on a vu une petite features de gameplay, c'est-à-dire que littéralement, le fait de faire explosion dans le totem permet de balancer une boule de feu qui a synergisé avec une pierre de feu pour faire une giga explosion. On avait déjà vu la synergie avec les pierres de vent et les pierres d'eau. Maintenant, on a la pierre de feu. Bon, allez, je continue tout ça, moi. Oh, mais qui voilà donc? Trop facile à récupérer? Il va me taper dessus. C'était obligé. Allez, on va lui faire souffrir. On va le faire un peu souffrir. Allez, juste pour le coup. Voilà, surtout que ceux de Mars, techniquement, c'est ceux que je... Il a voulu se barrer, hein? On le bute en un coup. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec le petit café qui va bien. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, nickel. Et un nouveau jean en poche. Yes. Allez, on continue. Le donjon est long. Très long. Il est vraiment très long. C'est à coup de... On fait monter de la lave pour avoir accès à des plateformes, pour pouvoir après retirer la lave avec ces grosses soupapes que l'on voit en dessous. Et je récupère un cœur de golem.
Pourquoi pas? Next. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ok. On va voir si on peut pousser ça. Exploser ça. Apparemment, il y en a un qui est un peu plus pété que les autres. Ah, potentiellement inonder ça. Ah. Ok. Bon, a priori, il y a juste à passer. Étrange. Ok, une salle de psy-énergie comme on avait eu pour vision et tout ça. Ok. Ça passe. Détenteur de la force du feu, posez votre main là-dessus pour embraser. Ah, c'est un femme en tour. Et yes. Donc on peut embraser les choses maintenant. Hmm. Encore une psy-énergie. Mais. Ok. D'accord, donc on peut pas repasser par là. On va passer par ici. Ok. Donc maintenant, on a le sort torche, quoi. Hop. Ah. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok. En fait, à la base, c'est comme... C'est comme Full Metal Alchemist. A besoin d'une source de feu pour utiliser sa puissance de feu. Maintenant que c'est fait et qu'on le sait, let's go. Mais hey, du coup d'ici, potentiellement, oh yes. Et après, de celle-ci on peut faire celle-là. Et ben voilà. Un travail rudement mené ça. Mmh. Au revoir. Parce que je suppose que le truc rouge, il faut que je le récupère. Une boule magma. Ok. On a fini tout ça. Bah, quitte à avoir un peu de temps, allons voir le forgeron. Bon, on a réussi à récupérer 2-3 objets. Une Mazamoon qui traîne dans un coffre à côté. On a réussi à se faire forger la hache d'Apollo, une autre hache ici, la hache de Gaïa, et comme je vous ai dit, la Mazamoon, on l'a récupérée. On a récupéré aussi 2-3 équipements que j'ai placés sur la deuxième équipe, dont entre autres le bâton braise et la tierre pure et l'aérogain. On fait un petit peu d'exploration, on voit où est-ce qu'on doit aller. Et oui, j'ai pas encore fait le recalque, tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir l'objet que je veux en forge et que ça prend beaucoup de temps. C'est pas grave, je reviendrai plus tard. Let's go. Eh ben voilà une ville que j'ai pas encore été. Loho! Yo. Yo-ho! On se soigne et on va le récupérer. Oh yes. Oh quel beau canon! Vous combattez ce canon? Bah oui. Et si vous trouvez le moyen de détruire le mur, ça sera pour vous. Semble vide. Ça tombe bien, j'ai un bol magma. Voyons voir si ça fonctionne. Ça va me faire un canon dans mon bateau. C'est bien ça. Et tout le monde va bien? Vous avez entendu, quelle détonation! Ah bah, qui a permis de faire un top ou quoi pareil? Oh, regardez! Et c'est pas moi qu'il faut regarder, abruti! Le mur, regarde le mur! Y'a plus de mur! Le mur, il a disparu! Ah, il fait, on est venu de l'autre côté sans aucun problème! Hein? Comment vous avez fait pour détruire le mur? Et peu importe, ce qui compte, c'est que vous avez puisse creuser l'autre côté du mur maintenant! Oui, peu importe les moyens, l'important est d'arriver à la fin.
Eh bien, le cadeau est à vous, comme convenu. Alright. Ce cadeau est un fardeau très lourd, très très lourd. Et j'en souviens, étrange, n'est-ce pas, Vritil, Attica ou Nesperia? Je l'ignore, mais ils sont venus en bateau. Ah bah, on va leur mettre dessus, alors. Ça peut toujours être... Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un cœur de golem, là-bas. Ah bah oui, j'aperçois le bateau. Ah, c'est votre bateau? Oui. Ah bah, on va le transporter là-bas, attendez. Oh, on peut moins vous faire ça, quoi. Allez, hop là. Oh putain, c'est lourd. Ça va être long. Oh, comme ma canne. Ta canne? Oui, ah bon. Attendez deux secondes. Il faut creuser, merde. Creuser, sachez faire. Et c'est pas le bon côté. Mais... Je disais, creuser. Sachez faire. Oh yes. Encore de la forge. Mais là, c'est surtout qu'il y a ça. Et si je dis pas de bêtises... Et que toi. Oui, il me tape même pas. Pour une fois, c'est tellement bon. Ok. Next. Oh oh. Un autre cœur de golem. Alors, je dois faire de la double synergie. Ok. Mais ça va me faire encore de beaux équipements à récupérer, ça. Nice. En vrai, pas mal. Allons voir le... Allons donc voir ce magnifique et ce trugléant petit canon qui est accroché maintenant à mon bateau. Ah bah regardez, on a réussi. Soyez tranquille, vous pouvez transporter dans votre carreau, dans votre gros bateau. Vous en aurez besoin pour le nord. Ah bon? En vrai. Oh, je suis rechargé à fond en plus. Et on tire comment? Ah, je sais pas comment on tire. Oui, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. J'en ai même changé ma chemise tellement qu'il m'en a fallu. Mais j'ai réussi à avoir les quelques équipements que je voulais, entre autres Excalibur. Que j'ai mis sur Pavel, bien évidemment. J'ai aussi récupéré une hache d'Apollo que vous avez potentiellement déjà vue. J'ai récupéré une hache de Gaïa. J'ai récupéré une Mazamoon, celle-là, je vous l'avais déjà montré. J'ai récupéré aussi d'autres petits équipements par-ci, par-là. Bref, le passage. Voilà, forge, c'est fait. Maintenant, allons dans le Grand Nord. Une petite grotte sur la route. Qui ne me dit rien. Je ne sais pas si on y avait déjà été. Dans le doute. On va bien voir. Il n'y a pas d'ennemis. Ça descend beaucoup. Beaucoup trop. Il y a une porte. Il y a l'air d'avoir une petite énigme. Ok. Let's go. Je vous rappelle qu'on avait maintenant récupéré la synergie portée qu'on avait eue à la fin de Golden Sun 1 et une stèle. Ok. Bon, c'est une stèle. On peut utiliser Aurès, 3 de Vénus, 2 de Mars. Ah, ça nous fait une belle jambe. Oh, une petite île adorable plein de glace. Ça peut être que mignon. Oh. Ok. Il va nous falloir... Oh, ça me rappelle le village de celle qui a la synergie de type O. Oh, yes. Ok. Ouais, ça se fait. Sans trop réfléchir, ça se fait. Bonjour, toi. Il vient avec nous. Yeah. Allez. Les boules de magma sont indispensables pour traverser les glaciers de la mer du Nord. Elles proviennent des volcans, mais elles pullulent aussi sur le mont Magma au sud. Ça tombe bien, on en revient. Ok, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'ouvrir le chemin. Le chemin vers le froid glacial. Mais... C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh. Les contrées du Nord. Ok. Ok, pour une fin de cet épisode, c'est pas mal.
Télos, viens voir, un gros bloc de glace bloque le passage. C'est rien de méchant, un tir de canon et c'est reparti. Ah c'est vrai, si ce canon peut détruire les murs de pierre, il peut lui viriser les blocs de glace. Pavel, amène-nous entre les deux blocs. Oh oui, on va lui ouvrir les deux blocs. À toi de jouer, Pavel, pointe le canon vers le bloc et tire. Ok. Tire la boule. Vers l'infini et au-delà. Génial, on a réussi, on pourra poursuivre notre chemin. Allons-y, vers la mer du Nord, et surtout vers la fin de ce Let's Play. Alors, si la vidéo, le concept ou votre cire d'amour vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça ressemble extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Et surtout, mes chers amis, nous sommes littéralement à la fin du jeu. Le prochain épisode, la fin.